Ok, salut tout le monde et bienvenue à cette suite directe de l'épisode de la dernière fois que vous avez forcément demandé, je ne sais pas, parce que j'enregistre direct, c'est le chaos général. Vas-y, butez tout. Butez tout les gars, il y a un Utah là. Vas-y, butez-le. Butez-le. Ah oui, je passais chez l'ennemi. Go les gars, go. Allez go. À la traque. Traquez-le. Il est où? Ah, ils sont là-haut. Vas-y, go les camper, les gars. Hein? Non. Tellement cheaté. Mais quoi, il y en avait un qui était à l'intérieur. Mais c'est ouf. Attends, dis-moi que je peux revenir. Non. Comment tu peux savoir qu'il y en a un là aussi, quoi? Eh, donc dis, il faut la retravailler, la carte. Hein. Ok, bon, je voulais faire une proc tranquille. Du coup, j'ai tout enlevé, setup, caméra et tout. Mais je crois que c'est pas possible. Il s'est passé beaucoup de choses. J'ai pas tout filmé, mais là, vous voyez qu'il y a Deinosuchus. Il y a beaucoup de carnots. C'est la guerre. C'est vraiment la guerre. Il y a des Deinosuchus partout. J'ai trouvé un groupe de carnots assez incroyable. C'est pas le même qu'au début de la vidéo. Et bah écoutez, là pour l'instant je suis petit, je suis à peu près à 50%, donc on va éviter de se jeter dans la gueule du Deinosuchus. Mais, bah écoutez, on va regarder un peu ce qui se passe dans ce combat. On voit que ça fait déjà plusieurs fois qu'ils viennent, ça fait déjà deux fois. Première fois j'avais pas enregistré, deuxième fois je me dis bon, attendez, c'est quoi ce bordel, il y a la guerre. Et en fait il y a vraiment la guerre, le groupe de carnots sur lequel je suis tombé, c'est des malades mentaux. Vraiment, voilà pour l'instant, on va se focus sur... les Deinosuchus, mais je vous raconterai ça après, c'est des ouf. Je suis sur Totonic 1, là, en ce moment. Et c'est, bah, c'est du grand n'importe quoi, hein. Ah, là, c'est le moment. Dès qu'il a un truc dans la bouche, c'est le moment de frapper. Go. Ouais, bah ouais, après voilà. Guerre contre les Deinos, on connaît. Hein. On connaît, c'est... Bah, c'est à chaque fois... une hécatombe. Tout le monde meurt. Donc, du coup, tout le monde reprend, mais ils s'en foutent, encore une fois. Je suis encore tombé... Oui, du coup, je disais, je suis encore tombé sur des dégénérés qui s'en foutent complètement de la frog. Et ouais, ils crèvent en boucle, ils s'en foutent. Bon. Ah, c'est dangereux. Non. Là, c'est très dangereux, là. Là, forcément, il y en a un qui va crever, hein, c'est sûr. Ah non, ça passe. Attention, il y en a un autre qui revient. Ouais, c'est vraiment, je vous dis, c'est n'importe quoi. Mais c'est vraiment kiffant. En vrai, c'est kiffant parce que... Bah, parce qu'en fin de compte, tout simplement, je m'amuse. Voilà, là je joue à The Isle et vraiment je suis rempli d'endorphines en comparaison, sérieusement, à la version Legacy qui est quand même assez lente et tout. Là, moi, j'avoue que les règles et tout, d'accord, mais le jeu est vraiment drôle. Genre, on se tape des barres en jouant à ce jeu parce que c'est n'importe quoi. Vraiment, c'est n'importe quoi et je trouve ça vraiment trop kiffant. Bon, après, le seul problème, c'est que vous voyez, il y a beaucoup de lag, beaucoup de micro-rollback, beaucoup de petites TP et tout. Et ça, quand même... Ça, il faut vraiment le corriger parce que bon, voilà, vous voyez que là, c'est quand même une catastrophe. Ça, il faut vraiment le corriger parce que dans un jeu bah, qui en demande autant, niveau prog, niveau patience, on va dire, on peut pas mourir à cause de ça, quoi. C'est vraiment dommage. J'espère que ça va être patché parce que il compte quand même faire des serveurs à 200 joueurs. Et là, pour l'instant, on est 120, je crois, dans ces eaux-là, un peu moins. Et les serveurs ne tiennent pour l'instant pas. Bref, oui, donc du coup, je vous disais quoi? Le groupe avec qui je suis tombé, en fait, j'ai entendu des cris de carnots. Et en fait, il y avait ce groupe qui était en guerre contre d'autres carnots cannibales. Et il les chassait. Et en fait, c'est pour ça qu'ici, voilà, vous voyez, il y a des cadavres de carnots partout. Parce qu'en fait, il y a une guerre qui a duré, franchement, au moins bah, toute la journée, quasiment une demi-heure. Où bah, ce groupe de carnots se battait contre un autre groupe de carnots. Et à l'usure, après des morts et allez, on va dire une petite dizaine de morts. Il y en avait d'autres dans la forêt derrière. Après une petite dizaine de morts au total, ben tout simplement, ils ont triomphé des carnots cannibales. Bon, en gros, voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Comment faire une proc safe dans The Isle. Vous restez avec un énorme groupe de carnots, vous attaquez des Deinosuchus, vous rentrez en guerre contre d'autres groupes de carnots, et vous êtes sûr à 100% d'arriver full adulte. Ou pas. Non, mais en vrai, je voulais vraiment faire une proc safe, donc on va rester là avec eux. Il y a de la bouffe, il y a de l'eau, et on est plutôt pas mal. On va se poser. Et là, on est plutôt bien quand même. En vrai, il peut pas nous arriver grand chose. C'est la guerre!
Bonjour, débarquement de Deinosuchus, mais regardez ça. Regardez cette image comme elle est folle. Les trois Deinos qui viennent nous contester ici autour de Jimmy Carnot. En vrai, c'est quand même des malades, parce que là, il y a quand même beaucoup de chances qu'il y en ait un qui meurt, même s'ils peuvent en emporter beaucoup d'entre nous. Là, je vous dis, le move, il est très très ballsy de leur part, parce qu'ils sont très loin de l'eau, donc d'une zone safe, et en plus, ils sont moins forts hors de l'eau. Et moi, je suis qu'à 50%. Donc là, très dangereux de les attaquer. Hein. Très dangereux, je peux essayer de faire des petites diversions, et si je le sens bien, mettre un coup. Donc je vais essayer, voilà, de les occuper, faire semblant de les attaquer, etc., etc. Et si je sens un bon petit coup, je vais y aller. Je vais y aller en espérant pas me faire tuer. Là, c'est bon, là. Il est dos. Tiens. Dans ta gueule. Oh, il m'a démonté. Bon. Il m'a démonté. Ça va, je suis pas mort, en vrai. Ça va, je suis pas mort. On va se mettre un petit coup de wolo, un petit coup de boue, histoire de... Voilà, là, ça me permet d'arrêter les saignements. C'est déjà ça. Ouah, je suis vraiment pas passé loin de la mort, hein. Bon, allez, on y retourne. Moi, bon, évidemment, je vais plus aller au combat. Mais vous deux, là. Allez, go, les gars. Alors ils sont où? Un là, et le troisième il est où? Ils se sont dispersés en tout cas. Oh putain, oh là là, oh, il était là. Oh là là là, mais regardez ça. Il y a trois cadavres devant lui. Les mecs ils se jettent dans sa bouche. C'est vraiment n'importe quoi. Mais en vrai ça peut être une strat, hein, je me dis. Genre tiens, vois les petits, ils mangent les petits, donc ils l'ont dans la bouche. Et au moment où ils mangent les petits, tac, tu les attaques dans le dos. Mais ouais, bon moi je vais plus y aller en vrai. Je vais regarder, hein. Je vais faire un spectateur. Ouais, il se jette dedans et tout. Je peux même plus y aller. C'est même pas raison du crocodile. C'est si là, il y a un autre Carnot qui meurt, je meurs en fait. Par contre, là, ils sont dans la sauce. Là, c'est le moment d'y aller. À l'attaque, tous. Et voilà, ils sont tous allés. Ouais, quel carnage, mon dieu. Oh oui, GG. Oh, GG, ils l'ont tué. Allez, un de moins. GG, les gars. Voilà, ouais, c'est incroyable. Ah ouais, putain, ils partent. Battez en retraite. La place appartient au Carnot. Cassez où? Wouah, eh, c'est hyper dangereux. Je comprends pas pourquoi ils sont venus là en vrai. C'est des ouf, hein. Genre, c'est sûr, ouais, le corps qui saute là-bas. C'est des ouf, c'était sûr qu'ils meurent. Les mecs, même les Deinos en fait, c'est des dégénérés. Allez, cassez-vous. Cassez-vous, c'est chez nous ici. Cassez-vous. Allez, regardez le nombre de Carnot qu'il y a, quoi. La pression. Là en vrai, ils ont la crotte au cul. Là ils saignent, ils ont plus d'âme, c'est sûr. Et la rivière est super loin. La rivière profonde où ils peuvent être en sécurité, je veux dire. Et là, ils sont vraiment dans la sauce. Hein. Allez, les gars, on leur met la pression. Regardez ça, on les entoure et tout. On les escorte. Cassez-vous d'ici. Oh, elles sont magnifiques. En vrai, les scènes de Ivrima, c'est n'importe quoi, mais c'est super beau en vrai. Allez, on les croque. En vrai, là, ce qu'il faudrait, c'est un petit. Un petit qui se jette dans leur bouche. Comme ça, tous les gros, ils peuvent le frapper. Et ils doivent être low life, en vrai. Hein. Ils sont pris plein de coups. Donc, voilà, ça, GG. GG, ça. Faites-les saigner comme des porcs. Ouais, non, désolé, je l'ai un peu fou. Et ouais, les Deinosuchus, en vrai. C'est tellement horrible, ces bestioles-là. Tu vas boire, ils te tuent. Il y a des carcasses, ils les prennent pour eux et ils te crient dessus. C'est bon. Vengeance. Vengeance des Carnots. Vas-y, frappez-les. Moi, j'y vais pas. En vrai, j'y vais pas. J'y vais vraiment que si je suis sûr à 100% de pouvoir mettre un coup, mais... je pense que je vais éviter. Oh oui, GG, ça. Oui. Vas-y, crevez-les. Là, le petit, là, faudrait qu'il se jette. Ouais, bah, presque, hein. Vas-y. Ils vont le tuer. Ils vont le tuer. C'est sûr, il va mourir. Il s'est pris trop de coups, celui-là. Et voilà. Bon, GG. Eh, c'est des malades, c'est des ouf. C'est vraiment des ouf. Par contre, les Deinos, voilà, c'est qui le patron, là, hein, les Deinos? Vas-y, barrez-vous, regardez, il court. Regardez, oh mon dieu. Oh, oh putain, il y en a là. Mais what? Putain, je l'avais pas vu, quoi. Vas-y, dégage. Allez, tiens-toi aussi, tu crois où? Ouah, t'as le mec, il était dans les bûches, quoi. Il doit avoir du bleed. Il doit être trop mal, lui aussi. Go tous les finir. Qu'on en finisse avec ces Deinosuchus de mort. Bon, l'autre, il fait du breakdance derrière, là. Ça, c'est vraiment pas beau, quand même. Hein. Vraiment, il faut que ce soit corrigé. Hein. Et c'est vraiment un truc de fou, quand même. Hein. Les scènes de chasse et tout, comme ça, elles sont incroyables. C'est tellement intense. Là, je vis de façon intense. Et je vais mourir de façon intense si ça continue aussi. Mais bon, on va quand même éviter. Hein. Je vais pas aller au combat. Je vais rester tranquille. Je regarde les collègues. Ah, bah, il en a chopé un.
Ah mon dieu, oh la carcasse qui vole comme ça là, c'est terrible. C'est terrible, mais l'eau en même temps là est un peu profonde, c'est quand même assez dangereux. Hein. C'est quand même assez dangereux comme move. Oh, il y a l'autre qui revient là, pour défendre son pote. Et ouais, mais vraiment, c'est un truc que j'arrive pas à comprendre. Pourquoi ils sont venus aussi loin, les Deinosuku? C'était trop dangereux pour eux. Parce que je crois que sur terre ferme, ils sont moins forts que dans l'eau. Ils ont moins de puissance de frappe. Donc c'est vraiment pas un bon plan pour les Deinosuku de se battre contre une quinzaine de Carnot, quoi. Très très mauvaise idée, hein. Même si c'était plusieurs. Bon bah ils se cassent. Hein. En vrai ils se cassent, ils ont compris, ils battent en retraite. Soldats, rentrons à la maison. La guerre est gagnée, même si nous avons perdu beaucoup de Carnot. Je suis fier de vous. Vous avez combattu tel de preux chevaliers, affrontant les dangers des Vrima, des adversaires plus forts que vous. Mais aujourd'hui, vous avez l'honneur qui entoure votre famille de Carnot. Salut les refs. Non mais en vrai, ouais, ça a quand même été un carnage. Il y a eu je sais pas combien de morts, il y a des cadavres de partout. Regardez, ils sont fiers. Hein. Ils sont contents et voilà, GG. GG les gars. Non mais en vrai, c'est une bande de dégénérés. Une bande de dégénérés et c'est drôle parce que les Deinos aussi, tout le monde pète un câble en même temps et tout le monde se met d'accord. Allez, c'est pas grave, on meurt. Et tant pis. Hein. Qu'est-ce qui se trame? Vente de Dieu, j'entends des cris. Ça recommence ou quoi? Ah oui, ils essaient de revenir les Deinos. Non mais c'est des malades. Eh oh, barrez-vous. Barrez-vous, vous êtes pas les bienvenus sur ces terres. Ces terres n'appartiennent aux Carnot. Oh, ils vont les croquer et tout quoi. Vas-y, barrez-vous, barrez-vous. Ouais, ils battent en retraite direct. Ils ont vu 10 000 Carnot leur arriver dessus. Non mais en vrai les gars. Arrêtez-vous, ils vont tous perdre leur propre Deinos. Putain, il y en a encore dans l'eau, ils sont 4. 4-5 là, 5 Deinos. Eh mais c'est n'importe quoi. En vrai par contre, quand tu vois autant de Carnot te foncer dessus comme ça, en faisant des cris agressifs, ben voilà, tu te casses. Hein. En vrai, tu te casses. Et ouais, les gars, vous voulez quoi, en fait? Genre, au bout d'un moment, c'est bon. Arrêtez-vous, quoi. Vous savez très bien, il saigne et tout. Genre, voilà, les gars, c'est bon. On fait respecter l'ordre, ici. Avec mon cri, là. Voilà. Avec mon cri super impressionnant. Allez, on rentre chez nous. Tout le monde rentre. Non, non, c'est pas dans ce sens. Par contre, ça lag. Mon Dieu, qu'est-ce que ça lag. C'est quand même terrible, hein. C'est quand même terrible, mais je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de joueurs, beaucoup de carcasses. Mais c'est quand même un peu relou, hein, en vrai. C'est un peu dommage, mais bon, écoutez, c'est pas trop grave. Hein. On fait avec, on fait avec. Mais du coup, voilà, hein, comment faire une prog safe. Donc vous faites exactement comme ça, et vous êtes sûr d'y arriver. Oh, je suis toujours vivant après c'est tous ces combats. Et c'est plutôt... c'est quand même pas mal, hein, parce que on a de l'action, et on meurt pas. Et ouais, on meurt pas. Vous pouvez participer au combat, mais il faut un peu s'en tenir loin quand même. Mais non, en vrai, évidemment, à ne pas reproduire. Hein. À ne pas reproduire si vous voulez prog un Carnot. Là, on va dire que j'ai eu beaucoup de chance qu'il m'ait pas tué. Je pense que je faisais genre 30 kilos de moins et il me tuait en un coup le Deino. Et bon, après, moi, je peux pas résister. Hein. Perso, je peux pas résister quand il y a tout ça. Mais regardez ça, quoi. Le nombre de Carnot qu'il y a, les Deino qui sont venus et tout. Je trouve ça purement incroyable. Et c'est pour ça que vraiment, je spam Evrima. Parce que j'adore vraiment Evrima, c'est ce genre de scène où ça part en cacahuète. En plus, les dinos sont ultra dynamiques, les attaques, il y a trois types d'attaques sur chaque dinosaure. Tu peux prendre les ordres dans ta bouche, tu as des collisions et tout. Le jeu est vraiment très 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 dynamique, les dinos courent vite, enfin, vraiment le jeu me plaît vraiment beaucoup. Après voilà, j'espère qu'il va être amélioré quand même assez vite, j'ai pas envie d'attendre trop longtemps, histoire de pas devenir acerbe et salé sur ce jeu. Parce que je le kiffe vraiment beaucoup. Hein. Donc bon, bref, là je pense que tout simplement ce qu'on va faire, c'est qu'on va prog hein, vraiment tranquille. Les Deinos, je suis pas sûr qu'ils reviendront. Après, il y a moyen, je pensais pas qu'ils allaient revenir, ils sont revenus. Donc je vais prog avec eux, tranquille. Je vais attendre au maximum, rester safe. Et j'espère que tout se passera bien pour la suite de ma vie de Carnot. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer cette scène qui était quand même assez what the fuck, assez incroyable, ce combat avec les Deinos, avec ce groupe de Carnot qui est juste fou. Donc prochaine fois qu'on se retrouvera, ça va être avec un Carnot full adulte, où on va essayer de faire le beau jeu, de ne pas mourir à cause d'un petit rocher de 30 cm, ce serait dommage. Et sinon, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, le petit pouce bleu, évidemment, la petite cloche, le petit abonnement, ça soutient énormément à la chaîne, donc faites-le. Et moi, tout ce qui me reste à vous dire, c'est tchuss tout le monde.